En ces jours de saint, nous contemplons Jésus devant les pieds de ses disciples pour nous bouleverser par son humilité et son amour. Dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 13, versets 4 à 5, Jean nous dit « Jésus se lève à table, il prend un linge, il se nue à la ceinture et il commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec un linge. » Cette tâche de coutume était réservée aux esclaves. Mais Jésus veut nous enseigner que nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Nous devons nous servir mutuellement, même si cela implique un abaissement pour le bonheur des autres. Un autre symbole de lavement des pieds, Jésus veut signifier la purification spirituelle. Se laver, c'est confesser nos péchés. Nous, on ne peut pas céder à l'Eucharistie en étant dans la situation impure. D'où, pour être en contact avec lui, on doit d'abord se confesser. On doit céder à l'Eucharistie avec un état de grâce. Mon frère, ma sœur, nous sommes en train de se préparer à la fête des Pâques. Tu t'es réconcilié avec ton Seigneur. Tu t'es mis en état de grâce avec ton Dieu. Et le service que le Seigneur nous interpelle. Es-tu prêt à rendre service sans intérêt? Es-tu prêt à chercher comment réjouir les autres? Bonne méditation, bonne fête de Pâques.